Et c'est Jun, c'est F35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo? Bah pas grand-chose, mis à part que je suis totalement max sur le jeu. J'ai absolument genre tous les bâtiments, tous les murs, tous les héros, tout le laboratoire qui est max. Que ça soit sur le village principal ou sur le MDO, comme vous pouvez le voir. Là on est max, laboratoire on est max. D'ailleurs sur ce village là je suis max depuis longtemps, donc j'ai plus grand-chose à faire sur le jeu. Je suis toujours en train de faire les défenses. Là c'est pareil, un hein, laboratoire, j'ai tout max. Je suis toujours en train de faire les défenses, je suis rendu à 3000 et des bananes, je crois, on va aller voir. 3153 défenses réussies sur les 5000, donc faut savoir que ça fait genre bientôt un mois que je suis descendu en bronze, donc je suis toujours en bronze à 700 trophées là, vous pouvez le voir. Et j'ai fait combien de défenses? 775 défenses depuis le début de la nouvelle saison. Donc en vrai ça va, j'en fais environ 500 par an, 500 par mois pardon, donc ça fait, 500 par semaine, donc ça fait à peu près 2000 par mois, donc en vrai si je ralentis un petit peu parce que ça demande quand même pas mal de temps vu que faut que je me connecte et faut que je perde des trophées, faut que je redescende à chaque fois, j'essaie de redescendre genre à 700-800 trophées et je remonte assez simplement genre à 1400-1500 trophées pendant la nuit. Donc bon voilà, je dois juste baisser en attaque, enfin baisser en trouver, donc ça va assez vite. J'ai pas mal de ressources. Allez, on va prendre la trésorerie, on va remplir mes réserves pour que je me les fasse piller parce que je n'ai plus rien à faire avec. C'est incroyable. J'arrive en vrai, c'est galère de se faire des ressources à ce, enfin moi je perds des ressources à ce nombre de trophées vu que je me fais attaquer clairement en boucle et je cherche à me faire attaquer en boucle. Donc clairement je perds des trophées, enfin je perds des ressources, énormément de ressources. Genre je suis à 18 millions, je tombe à 12 millions en élixir noir, ça baisse hyper vite vu que les gens attaquent beaucoup pour l'élixir noir et vu que je l'ai mis sur le déco, souvent il y a des gens qui attaquent pour l'élixir noir. Voilà. Au niveau de la ligue, je fais surtout cette vidéo pour vous montrer la ligue de guerre, comment ça se passe pour nous. Sachant que les dernières, là, ça s'est plutôt, enfin là, derrière, ça s'est plutôt mal placé. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière. C'est où ligue de guerre, voilà. On avait fini 6ème, donc on a eu chaud aux fesses. Parce qu'il faut savoir que le 7ème et le 8ème sont relégués dans la ligue inférieure. Et bon, on avait l'habitude de finir deuxième. Bah là, c'est terminé parce qu'il faut savoir que Supercell a fait récemment une mise à jour, récemment, il y a quelques mois quand même, une mise à jour comme, permettant en gros d'avoir qu'une personne qui passe dans les hautes ligues et deux personnes qui descendent. Donc forcément, le niveau de toutes les ligues augmente. Et ce qui a pour impact qu'on finit plus deuxième, on finit sixième. Sachant que là en plus on a un HDV12. Malheureusement on a un HDV12 qui fait la ligue avec nous. Bon c'est mieux que personne, mais bon c'est un HDV12, donc forcément il se fait raser quasiment à chaque. Il va se faire raser à chaque guerre en fait. Et pour son attaque lui c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on fait plus de fail et qu'on arrive, on a plus de mal. Donc là il se fait raser bien évidemment. Première guerre on perd 28-32. Notamment à cause des gros fails dès le début, genre on a eu une personne qui a fait 0 étoile et après deux personnes qui ont fait une étoile, donc forcément à ce niveau-là ça pardonne pas. Si tu fais 0 étoile, bon, clairement c'est quasiment lose. Là on a fait 2 une étoile, bon après de leur côté ils ont fait 0 étoile donc on a gagné, mais je crois que eux vont downgrade. Hein. Guardian Force, ils ont déjà perdu la première ligue, ils perdaient 23-34, donc autant vous dire qu'eux ils sont dans la merde. Sachant qu'on les a battus, donc au moins on finira pas dernier normalement. Il y a au moins 7ème et cette guerre-là qui est en train de se dérouler, on est clairement en train de la perdre. Hein. Si vous regardez, on a fait 10 attaques pour 18. Donc on est à moins 2 étoiles, donc on a fait, bon il y a surtout un fail hein, de Kranag, qui d'ailleurs a fait 2-3 étoiles, donc il se fail, c'est assez bizarre, le gars fait 2-3 étoiles, il fait en 0 étoile après, genre c'est soit tout, soit l'opposé, moi je suis bien je crois, j'ai fait un 2 étoiles, un 3 étoiles, en vrai plutôt stylé mon 3 étoiles en plus. Et puis bon après voilà il y a quelques personnes qui ont fail un peu plus. Là j'ai pas encore attaqué, je vais attaquer en live. Clairement je vais pas tenter de mettre. Enfin, je vais tenter de mettre 3 étoiles mais clairement je suis pas parti pour mettre un 3 étoiles. Il nous reste encore 5 attaques. Bon avec un gars qui a mis 0 étoile et. What? Il a mis une étoile sur le dernier, c'est pas fou, il est un peu plus faible le dernier je pense. Moi j'ai décidé d'attaquer ce village. Bon clairement les 2 étoiles normalement ça se met assez simplement. Le 3 étoiles, clairement là je. C'est pas le genre de village où je mets 3 étoiles, hein, clairement je vous le dis. Avec tous les pièges au début, je pense qu'il y a des Tesla, il va y avoir des Tesla un peu partout, les 3 héros, le château de clan, les 2 catapultes. En vrai, faut juste que je prenne l'HDV et après que je mette 50%, mais bon. Les 50%, clairement, il y a pas mal de bâtiments sur les côtés, donc il faudrait limite que j'attaque. Garde quelques troupes pour attaquer sur le côté là. Donc en gros l'idée c'est que je vais détruire cette réserve d'élixir noir là et je vais détruire quelques bâtiments défensifs. Je vais mettre des super sapeurs et je vais essayer de prendre l'HDV le plus rapidement. Après bon je verrai comment ça se déroule mais je mettrai mes sorts sismiques pour avancer dans le village. Et puis voilà, donc faut savoir que j'attaque avec les super sapeurs. Et au passage, je sais pas si vous avez vu, mais la nouvelle mise à jour, dans la nouvelle mise à jour, il y aura des nouvelles super troupes aussi.
Si ça vous intéresse, je crois qu'il y a une super sorcière et un super dragon, un truc comme ça. Bon, je sais pas plus. Ils ont pas dit beaucoup de choses, mais voilà. J'espère, je sais pas ce qu'il y a dans le château. Bon, 45 sur 45, on peut s'en douter. Let's go, les gars. C'est parti. Petit fail en live. Non, j'espère pas, en vrai, clairement pas. On va mettre deux Yeti. On va tanker là, comme ça. On est bon. Je peux tout lâcher. Faut que je mette. Faut que je fasse rentrer mes troupes et je vais mettre un sort de rage dès que ça peut rentrer. Allez, faut que ça rentre par contre. Non, non, ça va sortir. Oh, aïe, 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 ça va pas rentrer. On va juste clean ça rapidement pour pas pour, pousser les troupes à rentrer. Ok, bon, il a pris super cher. Bon, ça se passe pas comme prévu, hein. J'annonce, ça ne se passe pas comme prévu. On va mettre les guerriers. Bon, là, je l'avais pris déjà, c'est bien. Attends, mais j'ai pas mis de sort de rage là encore? Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très la concentration. Ça va être compliqué. On va clairement mettre ce héros là pour prendre des pourcentages sur les côtés. Parce que clean... sinon 22% là. Ça sent l'une étoile là sinon. Clairement il va falloir clean quelques bâtiments et on va accélérer un petit peu tout ça là. Je vais mettre 4. Je sais pas qui a gardé de sorcier mais on va écrire 4. 4 archers là, ça devrait aller un peu mieux. Bon 30%, 36%, bon ça bon. Ça va passer. Honnêtement, il y a pas mal de bâtiments à prendre. Il y a encore l'aigle qui peut casser les couilles si toutes mes troupes sont mortes. Mais bon là je pense clairement ça va perdre. Je vais faire mon petit 50%. Est-ce que ça serait bien de prendre la tour de l'enfer là? Ça passe? Oh, ça passe pas. Non, mais un point de vie là, vraiment. Bon, le 52%, le 2 étoiles est assuré. Et c'est dommage en vrai, je suis pas si loin que ça du 3 étoiles. Hein. Il reste pas beaucoup de bâtiments défensifs. L'aigle serait tombé et la tour de l'enfer serait tombée. En vrai, j'avais moyen de mettre 3 étoiles. Hein. Bon, là, clairement, l'aigle va faire le taf. Il va tout détruire. Mais en vrai, c'est très très dommage. Ouais, j'ai encore la capa de la. Oh là là, ça va faire mal. J'ai encore la capa de la reine. Faudrait que la capa de la reine détruise. En vrai, ça peut. Ça va pas, ça passe vraiment pas loin en vrai. Hein. Je suis deg. Il reste une tour de lanceur. Non, il reste deux, trois bâtiments défensifs et je mettais le 100% vraiment. Oh non, je suis deg. Deux bâtiments défensifs. Oh putain, ça. Non, trois bâtiments défensifs, pardon. Ah, ça passe vraiment pas grand chose, hein. Et les archers qui vont clean tranquillement pendant 50 secondes, mais. Oh, je suis tellement deg. Oh, c'était tellement mérité ce 3 étoiles. Oh, non, j'ai fait de la merde. En vrai, j'aurais pas fait de la merde au début. Je pense que ça serait mieux passé. Clairement, là, je crois que j'ai limite. J'aurais dû mettre la capa du grand gardien plus tôt pour protéger le roi parce que le roi est mort. Et en vrai, le roi aurait pu tank beaucoup plus longtemps. Et peut-être mettre un sort de rage pour accélérer tout ça au début. Mon attaque est pas ouf, mais au final 80% là qui va se mettre, même un petit peu plus. Non, je pense pas 80, je pense ça va clairement pas clean la réserve d'or et les archers qui vont tomber. On va quand même attendre, mais bon, je pense qu'en 13 secondes ça va jamais clean. Hein. Bon, 80%, honnête, je m'attendais pas à ça. Je pensais non, clairement pas. Enfin, fail, ça aurait été chaud, mais. Ah, il y avait peut-être moyen de prendre quelques. Ah, il y a des pourcentages au-dessus là. Oh, il y a 5-6 bâtiments free au-dessus, un bâtiment free en bas. Clairement, il y avait moyen de mettre plus de pourcentages, mais bon. C'est dommage, c'est dommage. On va voir comment ça se passe là. Mais il nous reste 4 attaques. Il leur reste une attaque. Ils vont clairement mettre 2 étoiles sur leur attaque. Quoique, ils ont. What? Ah, ils ont pas attaqué. Bon, ils vont mettre clairement 3 étoiles, là, je pense, sur l'âge du 12. Donc, ils vont être à 30. Faut que nos 4 attaques, faut qu'on ait 3 étoiles et 2 étoiles. Donc, autant vous dire que c'est. Mort pour cette ligue. Ils sont combien les Dubaï là? Ils sont quatrième. Ils ont fait quoi la première guerre et la deuxième guerre? Ils ont perdu la deuxième guerre, ils ont gagné la première. Contre Guardian. Bon bah c'est dommage, on verra. Je mettrai dans la description de la vidéo si on a perdu la guerre. Ou pas, mais enfin, si on a perdu cette guerre. Mais moi je colle un petit 20, 28, 28, 30, 28, 29, 27, 29 pour eux. Un truc comme ça. Donc, je mettrai les résultats de la guerre du Dubaï. Je ferai peut-être une autre vidéo pour la fin de la ligue pour vous montrer on a fini combien de tiers. Mais bon, clairement, on va pas finir premier ou deuxième ou troisième. Hein. Ça part très mal. Et sinon, si vous vous demandez, j'ai combien de médailles? J'ai 1165 médailles. Donc, je suis en train de les économiser. Et j'ai acheté tous les marteaux déjà. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine mise à jour. Dès que ça va sortir, là, je vais pouvoir avancer de fou. Bon, mais il y aura sûrement les remparts à faire. Donc, bon, ça me coûtait cher en ressources pour les monter niveau 14. Mais bon, c'est le jeu, on est là pour farmer comme des repas, enfin bref. En tout cas les gens, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!